L'espace de quelques soirées de la mythique troupe de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Julie Zenati, Daniel Lavoie, Patrick Fiori et surtout Hélène Ségara se sont retrouvés en décembre dernier à Kiev pour rejouer ce spectacle qui avait connu un succès incroyable il y a 10 ans. Pour en savoir plus, nous avons suivi toute la troupe de Notre-Dame pendant cet événement exceptionnel. À l'occasion également de faire le point avec Hélène Ségara sur sa vie, sa carrière et ses projets. C'est un reportage de Jessica Lapize. Kiev, en Ukraine, il y a quelques semaines. Voici Hélène Ségara. Ce soir, la chanteuse est en représentation pour une soirée un peu particulière. Là, en l'occurrence, c'est la ville des retrouvailles. Mais j'étais là il y a quelques mois en tournée, moi, en Ukraine. Donc, mais je la découvre, je l'ai connue en été, et je la découvre un peu plus fraîche. Car 12 ans après le succès de la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara, Garou, Patrick Fiori, Julie Zenati, Daniel Lavoie, Luc Merville et Bruno Pelletier remettent le couvert tous ensemble. Et ils nous ont ouvert les portes de cet événement exceptionnel. Rappelez-vous, à l'époque, l'adaptation du roman de Victor Hugo en comédie musicale déchaîne les foules. C'est un véritable engouement. Notre-Dame se décline alors en anglais, en espagnol, en italien et même en russe. Mais surtout, tous ces chanteurs à voix deviennent incontournables sur les radios et leur carrière solo décolle. Farfelu de ces retrouvailles inattendues vient d'un producteur russe, Boris Orlov. Les premières dates sont prévues en Ukraine et en Russie, car ces pays ont été particulièrement fans de la comédie musicale. Ici, les paroles sont connues par cœur en français par des personnes d'origine ukrainienne, donc c'est assez surprenant. Naturellement, étant donné les carrières de chacun, il n'a pas été facile de regrouper tous les chanteurs de la troupe originelle. Mais le plaisir de se retrouver à nouveau ensemble a été plus fort que tout. Et à quelques heures de la grande première, l'ambiance est décontractée, digne d'une colonie de vacances. Ah, je vais accoucher. Place aux répétitions. Une décennie plus tard, Hélène entre à nouveau dans la peau de la gitane Esmeralda. Petite spécificité de ce spectacle, ici plus de costumes ni de décors. Il s'agit bien des chansons de Notre-Dame de Paris, mais accompagnées par un orchestre symphonique russe. D'ailleurs, Hélène n'hésite pas à demander conseil au chef d'orchestre québécois Guy Saint-Onge, qui a travaillé notamment avec Céline Dion et David Bowie. J'ai tendance à trop me précipiter à chaque fois. Mais non, mais je vais te regarder plus, Guy. Un défi de taille, d'autant que les artistes n'ont pas eu beaucoup de temps de préparation. Et nous, on est arrivés il y a 2 jours et on a à peu près répété nos chansons une fois. Donc si on n'avait pas l'expérience qu'on a, et si, aussi bien pour Guy que pour nous, et même pour les musiciens, parce que vraiment, ils ont un grand, grand niveau, ça serait une catastrophe parce qu'on a l'impression qu'on part un peu sans filer là. Les chanteurs misent donc sur le fait qu'ils se connaissent par cœur. Normal, ils ont joué ensemble pendant 3 années consécutives pour plus de 500 représentations. Quant à Guy Saint-Onge, Notre-Dame de Paris était pour lui une véritable découverte. J'avais bien sûr, en tant que chef d'orchestre, joué souvent ces chansons-là, mais le spectacle, je n'avais pas été le voir. Mais moi, je peux comprendre, parce qu'on a tellement gonflé les gens avec Notre-Dame de Paris, à un moment donné, il y a eu tellement de saturation médiatique que je peux comprendre que des personnes soient passées à travers. Moi, je vais vous faire une confidence, ça fait 10 ans que je n'avais pas regardé le DVD, et je l'ai regardé là, cette année, parce que mes enfants ont voulu le regarder. Et ben, j'ai été très émue, parce que mes enfants étaient très émus. Plus qu'une heure avant le début du spectacle. Bon, j'ai un problème de frange, ça va pas du tout. Cheveux bouclés, robe rouge, Hélène se transforme en Esmeralda, un moment qu'elle avait espéré secrètement.
J'ai l'impression que j'ai jamais quitté cette peau de gitane. Donc, je me rappelle la dernière fois que j'ai mis ma robe. J'avais du mal à croire que ce serait la dernière fois. J'avais dit d'ailleurs dans les coulisses à Garou, un jour pour le plaisir, on remettra ses tenues juste pour se retrouver. Mais je pensais vraiment pas que ça se ferait. Avec les années, Hélène a tissé des liens très privilégiés avec la troupe, même si au début, tout n'a pas été facile, particulièrement avec Julie Zenati. C'est quelque chose qui a été réglé parce qu'en fait, on lui avait promis mon rôle. Donc je pense qu'après, elle m'a regardée, elle le dit elle-même, avec beaucoup de frustration. Et je crois qu'elle a eu l'impression que je lui volais quelque chose alors que moi, j'étais même pas au courant. Il lui a fallu des années de maturité pour le comprendre. Et malgré tout, on a quand même eu des échanges de tendresse, mais qui sont rien à côté de ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Des amis, mais aussi le succès. Certes, Hélène Ségara avait cartonné grâce à son duo avec Andrea Bocelli, mais c'est à partir de Notre-Dame de Paris que le public l'adule et qu'elle explose les records de vente de disques. Son album Au nom d'une femme se vend à plus d'un million d'exemplaires. En 2001, elle est même consacrée chanteuse préférée des Français. Pourtant, consciente d'avoir eu des périodes moins fastes, Hélène Ségara garde la tête sur les épaules. Moi, ce qui me plaît dans mon parcours, c'est d'avoir pu avoir des breaks, c'est d'avoir pu prendre du recul, et aussi c'est d'avoir été aussi loin alors que j'étais pas du tout ambitieuse ou carriériste. Parce que juste, j'étais passionnée et que du coup, il m'est arrivé plein de belles choses. La tension est à son comble, Hélène est en retard. Le spectacle a déjà commencé. Dans moins d'une minute, elle doit être sur scène pour chanter sa première chanson. Je suis fille de mon chemin. Et même en Ukraine, la chanson qui émeut le plus le public reste belle. Interprétée par Patrick Fiori, Garou et Daniel Lavoie. À la fin du spectacle, le public est debout, conquis. Mais pour les chanteurs, l'émotion est tout aussi forte. Les filles sont en larmes et les garçons survoltés. Revivre ça, tous ensemble comme ça, c'est une espèce de... Il y a une magie, il y a un rêve, il y a un bonheur. On fait ça pour le bonheur des gens, mais ce qu'on reçoit ensuite, c'est extraordinaire. Merci. Je suis révélé. C'est impressionnant parce que c'est le truc qui prend pas une ride, quoi. Bon, nous, oui, mais le truc, oui. Et ça chante du feu de Dieu. Ils sont pas possibles, tous, là. Et en coulisses, la complicité continue, comme pour prolonger l'effet de ce moment unique. Ça a toujours été une famille depuis longtemps, mais là, c'est vrai que c'est une famille qui s'est pas vue, qui a pas partagé le temps des fêtes pendant 10 ans. Ouais. Et toute la famille se réunit, et c'est le temps des fêtes, c'est la fête des fous là, pour nous. Là. C'est la retrouvaille, non seulement des gens, des chansons, et là, encore plus, on n'a jamais eu de budget comme ça pour faire ça. Après cet intermède entre copains, chacun retrouvera sa carrière respective. Hélène Ségara sortira bientôt un nouvel album. Mais depuis cette soirée incroyable, les plus grandes villes réclament la troupe de Notre-Dame de Paris. On espère qu'elle passera à nouveau par l'Hexagone. Et comme promis, on va maintenant retrouver notre chroniqueur santé et bien-être, c'est Mickaël.